Je m'appelle Gaëlle Cesse et ma jument c'est Isara de Pontigny, donc une jument de 5 ans. Par Canturo, c'est une jument qu'on a fait naître à la maison, donc avec mon mari. C'est une grande jument qui a beaucoup de force, qui est adorable au quotidien. Voilà, ses qualités, c'est vraiment sa force, sa gentillesse. Elle est très généreuse, voilà, elle donne vraiment tout. Elle donne tout pour son cavalier. Alors, la première épreuve, on est sans faute, avec des bonnes notes. J'étais assez contente de la jument pour son comportement sur le tour. Et aujourd'hui, royale. Elle va rester à la maison parce qu'elle va passer sous la selle de ma fille, voilà, qui va passer à cheval et du coup qui va idéalement continuer le cycle libre, faire les 6 ans 3e année avec. Et puis peut-être, pourquoi pas, quelques épreuves amateurs à côté pour préparer les saisons futures. Moi, je m'appelle Gaëlle Vigneault et donc je gagne avec Adeste des Lauriers. Adeste que j'ai acheté quand il avait 4 ans, sorti de débourrage. On a fait le circuit cycle libre première année l'année dernière où il avait fait une très belle saison, terminé au top, il était premier du top 100, pas touché une barre de la saison. On a fait la finale, fini à la 7e place. Et puis après ça, il a eu des grandes vacances parce qu'il l'avait bien mérité. Il avait fait des grandes vacances, tellement grandes que du coup, cette année, quand on a repris le circuit cycle libre, ça a été un peu compliqué. On n'avait peut-être pas assez travaillé. Donc on s'est cherché un peu début de saison. Et puis là, il y a 2 mois, on avait retrouvé nos marques. C'est un petit cheval par la taille, mais qui a toujours envie de bien faire, qui ne veut pas du tout toucher une barre. Dans n'importe quelle situation, il fait tout pour s'en sortir, parce que bon, voilà, je lui fais des blagues quand même. Il a fait un très beau Fontainebleau, premier parcours. Bon, on a pris nos marques. Hier, j'ai pris beaucoup de plaisir avec le chrono. Là, aujourd'hui, je le sentais un peu plus tendu, mais il s'est encore sorti des situations dans lesquelles j'ai pu le mettre. Et vraiment, c'est un super cheval. C'est un vrai cheval de concours. C'est la première fois que j'ai un cheval de concours comme ça. C'est de l'accomplissement, de ma famille, de moi aussi, parce que je passe beaucoup de temps à m'occuper de lui. Et puis, je suis quand même très entourée, mon compagnon, mes enfants qui viennent en concours, mes parents, mes sœurs. Vraiment, c'est vraiment toute la famille vit pour le cheval. Et je pense que tout le monde est content quand on gagne, quoi. Voilà. Là, on va faire un petit break après Fontainebleau et puis on verra les concours qui se présentent. Mais je pense qu'on va tenter à faire 115, voir comment, sur les épreuves hautes que jeunes chevaux, voir comment ça se passe. Et puis l'essentiel, c'est de se faire plaisir, surtout, essayer. Moi, je m'appelle Alix, j'ai 27 ans, je suis interne en médecine à Dijon. Et puis mon partenaire, donc, c'est Lancelot, un cheval de 6 ans, né d'une mère hanovrienne et par Milord Carthago, qui est né en Haute-Marne, chez Jean-Claude, je ne sais plus son nom de famille, enfin chez son éleveur, j'ai un peu d'émotion. Que mon coach, donc Robin Giton, a débourré à l'âge de 4 ans et que j'ai acheté fin de ses 4 ans. Il a fait les 5 ans classiques avec mon coach et moi je le monte en compétition depuis le début de cette saison de concours. Il a fait une très bonne saison, il est à 10 sans faute sur 13 je crois avant la finale. Il répond présent à chaque fois que je lui demande, enfin il est incroyable. Il a une belle trajectoire, un galop naturel très facile dans l'équilibre, il est très agile, très respectueux. Et puis il est aussi très farceur, très, très joueur et hyper attachant. J'étais première au provisoire du championnat et aujourd'hui il a fallu gérer la pression surtout. Le tour était très intéressant à monter, pas forcément très facile, mais c'était surtout la pression de bien faire jusqu'au bout et de ne pas perdre la première place. L'année prochaine, il reprendra tout doucement les concours pour faire amateur 1, pour essayer de faire pareil amateur élite dans 2 ans.